Je vous laisse admirer le paysage, c'est super sympa. En plus aujourd'hui il neige, donc premier jour il faisait gris, deuxième jour il faisait beau. Donc aujourd'hui on va prendre le ferry pour aller plonger à Touanec. Donc sur les paysages ça peut ressembler un peu à la Norvège, donc on est à peu près au milieu des montagnes rocheuses. Je sais pas, vous pouvez les apercevoir à peu près derrière moi. Et du coup ça peut devenir assez profond. Il paraît que les sites de plongée peuvent descendre jusqu'à 200 mètres. L'avantage de ces fjords, c'est que de par le fait, la visie est relativement élevée et ça reste assez calme. Il n'y a pas de courant. Donc voilà, encore une belle journée en perspective. Il est à peu près 7h30 et on va commencer à traverser l'embouchure pour aller sur le site. Bienvenue à Touatec, une petite plongée du bord vous attend. Après 45 minutes de ferry, 30 minutes de voiture, nous voici arrivés sur site. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a neigé, il pleut, mais il y a du soleil. On dirait qu'on est sur un lac, mais l'eau est salée. On peut aller goûter l'eau. L'eau est salée et en fait c'est les fjords qui protègent. Hop. Ouais, l'eau est bien salée, donc c'est pas un lac, on est bien sûr de la mer, mais protégé par les vagues. Donc c'est un peu comme si on était dans une rade. Donc voilà, Touanec. Et ben voilà, donc je vous fais un petit point de ce qui s'est passé hier parce que je suis tombé en panne de batterie. Donc, pas de petits problèmes techniques avec les gants étanches. Effectivement, on s'est mis à l'eau, les gants, hein, je les avais mal réglés, c'était trop court. En plus, ils étaient épais, donc bon, il y a quand même des personnes qui m'ont bien aidé gentiment à améliorer ce matériel. Ils m'ont même prêté des gants, à tout changer. Finalement, j'ai réussi à plonger. Donc une première plongée, donc je vais vous décrire mes impressions. Donc faut savoir que on s'est mis à l'eau, il y avait une visibilité de genre 50 cm quoi. L'eau était très très marron. On est descendu à 6 mètres, c'était un peu mieux. Un peu mieux, c'est-à-dire 1 mètre de visibilité. Et après donc, on continue pour aller jusqu'à 30 mètres.
30 mètres, il fait nuit totale. Après, c'était super sympa, petit barbecue où c'est des saucisses hot dog qu'on fait griller dans, sur le barbecue avec du pain, sauce tomate, belle ambiance. Donc l'après-midi, pour le coup, là, on a plongé 100 minutes, 15 mètres. C'est très noir. Donc moi, au niveau des gants, tout ça, j'avais bien pris l'habitude. L'eau est à 9 degrés, donc c'est assez froid. Et pour le coup, commençait à faire froid un peu enfin, mais bon, au bout de 100 minutes, de toute façon, j'étais avec des circuits ouverts. Et voilà, donc je me suis perdu en fait vraiment la 5 dernières minutes avec la visite qui était vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on commence à remonter, il y a une visite qui est vraiment sale en fait entre la surface et 6 mètres quoi. Donc dès qu'on rentre à 6 mètres, il faut vraiment suivre les gens, sinon on se perd. Même si au début on voit les phares, on arrive quand même à se perdre. Donc bon voilà, c'est quand même, j'ai bien appris, ça sort un peu de la zone de confort. Ça se fait très bien, il faut être vraiment très très bien équipé. Je suis un peu juste en équipement, on m'a prêté une lampe, on m'a prêté effectivement des gants, des sous-gants. Enfin vraiment les gens sont vraiment super sympas quoi. Donc voilà, et donc après on a été boire un petit bière, c'est sympa, sur le ferry, etc. Une petite communauté de plongeurs tech. Donc on attend d'être à l'heure pour le rendez-vous, là on va boire un petit café. Tranquille. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bienvenue à Whitecliffe Park. Et ben donc là c'est parti pour une petite plongée de 2 heures en partant du bord. L'eau devrait être un peu plus fraîche, mais ça va le faire. Donc là du coup il y a des petites vagues, là je pense qu'il y a un gros ferry qui est passé. Donc c'est marrant de voir ces petites ambiances, on est dimanche, il est midi et les gens viennent plonger. Allez, on va aller s'équiper. Donc on a fait qu'une plongée hier, après on était un peu fatigué, ouais, ça tire un peu sur la couane. Cette fois-ci on va direction l'île de Vancouver qui est derrière moi. On a pris le ferry, on s'est levé à 6h30, 1h40 de traversée. Et on va faire une épave, donc c'est un destroyer, je crois, un navire de guerre qui a été coulé il y a une vingtaine d'années. Sur un fond de 35 mètres. Donc c'est assez marrant en fait du coup de pouvoir
naviguer en fait avec cette solution en voiture ferry. C'est très commun visiblement à Vancouver. C'est un peu comme le pass Navigo à Paris, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent tous les jours le ferry pour aller travailler. Donc le Canadien a plutôt tendance à se lever tôt, genre 6 heures. Il va se garer devant le ferry et en attendant que l'heure arrive, il va aller déjeuner en fait, voilà, au petit pub en face. Les fameux, c'est ce qu'on a mangé d'ailleurs tout à l'heure, ces petits sandwichs bacon, œuf, salade tomate, pommes de terre. Une autre caractéristique aussi, c'est la couleur de l'eau. La couleur de l'eau est assez marron en fait, comme vous pouvez le constater. Si vous avez bien l'œil, vous voyez bien que l'eau est marron. Il y a du soleil, c'est le printemps et une explosion de plancton, ce qui gâche un peu la visibilité, ce qui fait que en fait, quand on plonge, c'est des plongées de nuit, quoi. Vous vous demandez où est-ce qu'on va aller plonger, on approche du site. Donc c'est au niveau de l'île que vous voyez derrière nous. Il y a du coup deux bateaux et c'est sur votre gauche que l'on va aller plonger. Donc ça souffle fort, il y a du vent. Et on ne pouvait pas s'arrêter sans un petit stop chez Sharewater qui est bien forcément à Vancouver au Canada. Nous sommes aujourd'hui avec Gabriel Pineda. Tu es le directeur de commercial et marketing de Sharewater. Et tu es bien entendu aussi un plongeur. J'ai quelques questions à propos du Nerd. Ma première question est, combien de temps ça prend pour concevoir, pour produire ce genre de produit? Habituellement, le cycle de vie d'un produit prend entre 2 et 3 ans, quelque chose qui nécessite beaucoup de travail. Nous n'allons pas sur le marché tant qu'il n'est pas prêt. Une fois que l'on a fait l'annonce au public, c'est là, c'est prêt à partir. Et ça prend beaucoup d'efforts et de temps. Et oui, c'est quelque chose que nous aimons faire parce que beaucoup de gens dans notre entreprise, moi y compris, sommes plongeurs. Des produits pour les plongeurs faits par les plongeurs. Oui, on apprécie beaucoup d'avoir aussi des feedbacks des clients.
On accepte et on encourage, on aime aller sur les bateaux de plongée, parler des produits, mais le plus important de ça, c'est qu'est-ce qu'ils pensent qui pourrait faire nos produits meilleurs. Nos produits ne sont peut-être pas forcément parfaits et comment on pourrait l'améliorer. C'est pour ça que qu'on a un cycle d'amélioration continu pour avoir des mises à jour gratuites qui peuvent intégrer des fonctionnalités que les plongeurs nous auraient suggérées. Bien entendu, avant qu'on y ait penser, réfléchir et implémenter. Bien entendu, nous n'implémentons pas toutes les fonctionnalités, mais on écoute toutes les suggestions. La relation et les interactions avec les plongeurs, donc nous allons autour du monde à la rencontre des plongeurs, sur les bateaux de plongée, en vacances, on sociabilise avec les plongeurs. La plongée, c'est une activité de sociabilisation. Oui, en effet. Vous construisez une communauté et bientôt votre cercle d'amis proches sont tous plongeurs. Donc vous partagez cette passion commune et c'est quelque chose que nous apprécions en faire partie et on se sent très privilégié. Shearwater est vu comme une marque de plongée tech. Oui, en effet. La base de notre clientèle sont des plongeurs tech. Le premier produit conçu par Shearwater était pour les recycleurs. Dans le cas de Shearwater, nos fondateurs étaient des plongeurs tech. Ils voulaient des ordinateurs électroniques qui n'étaient pas disponibles sur le marché. Alors, ils les ont créés eux-mêmes. Ensuite, leurs amis les ont vus et en voulaient. Et du coup, les amis des amis en ont voulu et c'est ainsi que se sont répandus. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé. Ce n'est pas nécessairement un business plan classique parce que lorsque l'on commence un business plan classique, on commence par chercher une grosse opportunité de marché et de la cibler. Et dans ce cas, ce n'était pas nécessaire d'aller dans ce genre de direction. Cependant, parmi les années, on a eu de meilleures compétences pour savoir où aller, et les performances de l'équipement, notamment de plongeurs loisirs, qui étaient de plus en plus avertis, ont adopté Shearwater comme une marque qu'ils appréciaient. En 2014, sur Petrel, nous avons instauré le mode récréationnel. Et ensuite, en 2016, avec le Perdrix, avec l'AI. C'est très intéressant parce qu'avec l'introduction de la fonctionnalité AI, on l'a fait pour mieux servir nos plongeurs loisirs. Mais on ne s'attendait pas à quelque chose qui allait démarrer dans le monde de la plongée tech. Si vous vous rappelez, avant 2016, les transmetteurs de pression sans fil n'étaient pas acceptés dans le monde de la plongée tech. Donc vous deviez utiliser votre monomène pour lire votre pression. Et donc on a commencé à observer que dans le monde de la plongée tech, parce qu'on est assez connu, on commençait à adopter ce transmetteur de pression, à l'utiliser et même à le recommander. Nous savons que les transmetteurs de pression sont très populaires dans le monde de la plongée Sidemouth et Rebreather, et c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Nous étions en train d'essayer de servir le monde de la plongée loisir, mais le monde de la plongée tech s'y est aussi intéressé. Quand on commence à plonger, on est tous plongeurs loisirs, on achète des ordinateurs basiques, et ensuite, après, lorsque l'on veut passer son Nitrox, on veut passer sur un autre modèle d'ordinateur qui intègre la fonctionnalité, et au final, on change 3 ou 4 fois avant de devenir un plongeur tech. Alors peut-être qu'il faudrait directement acheter un ordinateur tech comme le Petrel, d'activer le mode récréationnel au début, et ensuite de changer le mode lorsqu'on ait les compétences. Oui, c'est très intéressant ce que tu mentionnes. Il y a un livre de Stephen Covey, les 7 habitudes des gens efficaces. Habitude numéro 2, c'est on s'engage sur un projet, pensez où vous voulez aller. Donc s'équiper dès le début avec l'équipement qui va nous permettre de progresser jusqu'où on veut aller. Donc vous démarrez avec un équipement avec lequel vous allez progresser et qui va s'adapter à votre différent degré de compétence.
Thank you very much. Thank you, man. En conclusion, on a fait de belles plongées, une faune et une flore exceptionnelles, vraiment des choses que l'on ne voit vraiment pas, on va dire, dans nos mers européennes. Des gens très accueillants, fort sympathiques. L'eau est fraîche, effectivement, 7 degrés au plus bas. Il faut un équipement, il faut s'équiper, ça c'est évident. C'est plus froid que Scapa Flow. Voilà, mais franchement, vraiment un beau pays où il y a une petite culture de plongée tech qui est assez sympathique, où les gens sont très conviviaux. Donc, sûrement à noter et à revenir. Allez, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures.